Bonjour tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui avec mes deux dernières Kawaii Box. Alors, oui, les deux dernières, parce qu'effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et voilà, bah, écoutez, on commence tout de suite. Je mettrai le lien pour l'abonnement à la Kawaii Box en barre d'infos, bien sûr. Donc, c'est une box mensuelle. Et ça, c'est 18 $ et quelques, ça fait 17 euros, pardon, et quelques centimes. Par mois, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Voilà, moi j'adore, je la trouve super bien. Alors c'est très kawaii, c'est très gamine des fois, mais bon, j'adore. Donc voilà, je vous présente tout de suite mes deux dernières box. Alors déjà la dernière que j'ai reçue, donc ça, alors à chaque fois il y a un paquet de bonbons, un paquet de gâteaux dedans, voilà, une petite gourmandise japonaise. Donc là cette fois-ci c'était des chewing-gum au raisin, qui sont super mignons, si j'arrive à les sortir. Voilà, c'est tout petit, c'est rose, rose flashy. Voilà. Après le goût, bof. Voilà, bof. Ensuite, donc, on a des stickers, comme d'habitude. Voilà. Mince, vous n'allez pas trop les voir là. Voilà, comme ça c'est mieux. Des petits stickers, des mini stickers. Voilà, un petit set Rilakkuma, donc avec des autocollants, des mini enveloppes qui sont trop mignonnes. Voilà, et puis des petites feuilles. Ensuite, un petit porte-clés où ça se met au téléphone portable, tout cute. Un autre, alors là je vais vous ouvrir, c'est un squishy, c'est ça, oui, de Hello Kitty, un donut Hello Kitty. Ensuite une gomme, alors je sais pas, apparemment c'est la mode de, pardon pour le bruit, de ce petit lama mouton, hein, je sais pas trop si c'est un lama ou si c'est un mouton. Voilà. Ensuite, alors ce set, donc ça évidemment pour moi ça va pas trop le faire et je n'ai pas de fille, ma nièce est trop grande aussi. Voilà, vous voyez, c'est un set peigne miroir, ça, je sais pas trop ce que je vais en faire, on verra bien. Ensuite, ça j'adore, c'est pour mettre dans le sac, pour mettre ses clés, pour mettre une carte, et c'est comme du vinyle, c'est peut-être même du vinyle quoi, rose et menthe, et c'est trop trop beau. Un stylo, comme à chaque fois, il y a toujours un stylo aussi. Un autre squishy porte-clés ou pendentif de portable. Donc là c'est une glace. Ah pardon, d'ailleurs c'est pas un squishy, celui-là il est en plastique plus dur. Bon, c'est trop mignon. Bon, un élastique. Apparemment il y a toujours aussi une barrette, enfin voilà, un accessoire pour les cheveux. Donc un élastique, c'est pareil, je pense pas que je mettrais ça dans mes cheveux, mais bon. Et puis, un petit set, donc carnet, avec un petit stylo. Voilà, donc pour cette box qui, c'est vrai, était peut-être un petit peu moins bien que les autres d'habitude, mais bon. Ensuite, la boîte d'avant. Donc là, il y avait... Alors ceci, ce sont des petits gâteaux au thé matcha. Voilà, alors on les a mangés, hein, désolé, je ne peux pas vous les montrer. Mais c'était bon, un petit peu spécial quand même. Hein, voilà, mais bon. Un autre petit squishy. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de squishy, de porte-clés. Enfin, ça revient un petit peu, un stylo autocollant, mais bon, moi j'aime bien. Voilà, donc ça c'est une patte de chat, de chien. Les autocollants, pardon.
Donc, les voici. Ce sont des puffy stickers. Ils sont trop mignons. Regardez les petits lapins. Et les petits chats. Oh, c'est trop mignon. En plus, c'est des squishy, mais doux. Ils sont hyper doux. Je sais même pas comment expliquer la matière, mais c'est hyper doux. Ensuite, alors, un set de paillettes. Néon. Couleur bien flashy. Voilà. Un petit carnet Rilakkuma. Un carnet tout simple, mais bon, mignon quand même. Un autre petit porte-clés. Ah ben ça, je vais pas manquer de porte-clés, hein, mais bon, c'est mignon, hein, moi j'aime bien. Donc j'aime bien changer. Pardon, excusez-moi. Voilà. Des demi-perles. Donc ça, bien sûr, on sait toutes que ça va me servir. Un macaron, alors ça à vrai dire je sais pas à quoi il sert, mais bon, posé quelque part sur mon bureau de scrap, je pense pas que ça s'ouvre, hein. non je sais pas, bon, un macaron, voilà. Alors le stylo de cette box là, voilà. L'accessoire cheveux, attention les yeux, hop, voilà. Bon, c'est super mignon, mais ça non plus, je le mettrai pas. Je le mettrai en déco quelque part sur mon bureau. Je vais finir par faire un bureau déco kawaii, en fait, je crois. Voilà, ça sera mon petit coin nostalgie de mon enfance. Voilà, oui, parce que quand j'étais petite, j'adorais tout ce genre de petites choses aussi. Et puis, une trousse. Alors, attendez, je vais la sortir de l'emballage, si je peux. Désolée encore pour le bruit, pour celles qui n'aiment pas. Et voilà, donc une petite trousse. Alors ça, c'est pareil, hein, les trousses, ben, ça sert toujours, hein, on a toujours des choses à mettre dedans. Et toujours ce petit, ben, je sais pas, mouton, mais pour moi, c'est un mix entre mouton et lama, hein, mais bon. Donc voilà pour mes deux kawaii box. Ensuite, je voulais vous montrer en vitesse, on peut pas appeler ça vraiment un projet, mais je voulais vous montrer... Donc j'ai fait quelques badges qui ne sont pas des badges. Voilà, alors je vous explique. En fait, je vous les montre déjà d'abord quand même. Voilà, vous voyez, c'est comme un badge, mais c'est beaucoup plus fin. Donc il y a quand même un peu de relief, le côté plastifié, et surtout c'est moi qui l'ai fait. Donc en fait, je prends ce que je veux comme motif, ce que je... voilà. Les papiers, en plus ça permet d'utiliser des petites chutes qu'on a. Voilà, j'adore. Et pour les cartes de Project Life, en fait, c'est génial. Et en fait, ça se fait avec ça. Voilà, que j'ai commandé sur eBay, cela. Vous voyez, c'est adhésif déjà. Donc, et en fait, vous collez ça directement ben, là où vous voulez sur votre papier. Et ça coûte, alors celui-ci je l'ai payé 3 euros et quelques, donc la planche de 72 stickers transparents, ils font 2 cm je crois, 3 euros et quelques, frais de port gratuit. Vous savez, si vous allez dans eBay et tout ce qui passe par la Chine, tout ce qui vient de Chine, en fait, en général, c'est, il n'y a pas de frais de port. Voilà. Et donc je vous montre un exemple, donc une carte de Project Life que j'ai faite ce matin. Et vous voyez, voilà, ça donne quand même un petit peu de relief, mais pas trop. Donc c'est génial pour les pochettes. Et ça a quand même le fini d'un badge. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour tous vos petits messages, vos commentaires, vos abonnements sur ma chaîne, etc. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais un gros bisou. À bientôt !